73-51 Toulouse de la part de 14 Kilomac 33-01. Opérateur Rémi, Dendy 33 Mobile sur le sud-ouest de France. Je suis à 80. À 80, tout le monde double. Ah, je suis... Il est 17h05. Un peu de propag. Un peu de chance, ça tournera du côté des départements français. On verra bien. Les gens ont tellement peur de se faire flasher avec le radar qui est là sur la gauche que là on est passé à 30 à l'heure. Alors si j'ai bien compris, ça doit être l'Angleterre là, qui passe. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en Mobile sur le sud-ouest de France, secteur Libourne, qui vous propose un QSY sur le 27-505. 27-505, c'est parti pour moi.
CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, secteur Libourne. C'était très QRP là de mon côté là, parce que bon je suis en mobile, là j'arrive, voilà, là j'ai pas tardé à rentrer dans Libourne. Et 73-51 retourné. Ok, ok Rémi, oui, affirmatif, voilà, là je suis, on va dire, là, dans l'agglomération de Libourne, encore là un petit peu là, sur la départementale qui mène à Castillon-la-Bataille. Voilà, je suis en train d'arriver, là, si tu connais le secteur, là, sur le rond-point. Alors, comment vas-tu? C'est étonnant que tu ne m'entendes pas, quoique il suffit que tu aies un peu de QRM de ton côté, et puis voilà, ça y est, hein, ça bouge la vue, comme dirait l'autre, archi. Alors, comment vas-tu depuis la dernière fois qu'on s'est mis en fréquence? Ça va. Aujourd'hui, un petit peu de propagation, là. Je me suis amusé avec les Anglais. Sur les points de 14h, 15h, là, ça a passé fort sur l'Angleterre, un petit peu l'Allemagne. Par contre, pas de propag sur le 446, là. Je n'ai eu personne, au niveau de près. Donc voilà, je pense que c'est fait. Ah oui, affirmatif, voilà, je suis dans Libourne actuellement, voilà. Donc là j'ai un petit peu de QRM là, de mon côté. Mais bon, j'arrive à te sortir quand même, là, il n'y a pas de problème. Ah ben là, du coup, au QRA, ben, j'ai pas trop eu le temps d'allumer la station, là, aujourd'hui. Et c'est avec les infos que tu me donnes, là, que je découvre un petit peu, là, ce qu'il y a eu, quoi. Et c'est vrai que là, en partant, là, j'ai vu que là, il y avait là, tout à l'heure, là, juste avant de commencer à appeler, j'ai entendu l'Angleterre passer, ouais, c'est quoi, là, effectivement, oui. Merci, merci, c'est bien sympa. Voilà, là j'arrive, là je suis sur la rocade de Libourne et là je suis en train de passer sur le pont là, de la Dordogne qu'il y a sur la rocade de Libourne. Donc là ça a dû monter un petit peu de ton côté. Voilà, ça y est, le pont est franchi. Ok, ouais, c'est vrai que j'ai remarqué ça, les cartes, les échanges de cartes QSL papier, on dirait que c'est passé de mode. Il y a peut-être une question de coût aussi derrière, parce que bon, là, depuis, tout le monde n'a pas forcément envie de donner son adresse réelle. Les boîtes postales physiques, c'est plus trop ce que c'était. C'est assez cher maintenant, donc il n'y a vraiment que les gros clubs ou les associations qui peuvent avoir ça. C'est vrai que on en vient vite à la carte QSL virtuelle. Et puis de toute façon, on a beau dire, qui n'est pas sur Internet aujourd'hui,
c'est il n'y a plus grand monde qui n'est pas sur internet. Hein. Donc tout machinalement, les gens font leur courrier, leur ceci, leur cela, directement via internet. Quoi. C'est devenu un automatisme presque, on peut dire. Remarque, et après ça, bah, il te suffit de l'imprimer, hein, et puis voilà, tout simplement. Et puis comme ça, au moins, là, tu peux l'ajouter à ta collection de cartes papier ou l'accrocher au mur. Là, c'est ce que j'ai fait à 2-3 reprises, là, déjà. J'avais reçu la carte QSL directement par email. Bon, ben, bah, ok, je l'ai imprimé, je me suis découpé ça bien comme il faut, je l'ai imprimé sur les papiers photo. Je me suis découpé ça, tac, impeccable, au format du truc, et puis elle est agrafée au mur. Ouais, affirmatif, Rémi, c'est faisable, surtout quand il s'agit de trois contacts, sur des contrées lointaines, c'est possible. Effectivement, une fois que tu la reçois sur l'ordinateur, ça n'empêche de l'imprimer. Mais bon, j'aurais quand même besoin de la chine que des femmes d'un qu'on recevait. Avec les enveloppes et les timbres, à l'époque, hein, dans les années 90. Voilà, pour le relever, c'est que je ne retrouve plus mon classeur. Il manque un état d'Afrique à l'époque, quand je reçois mon indicatif Victor Dumas ou Alpha Tombo. Voilà, je sais pas ce que j'en ai fait. Bien sûr, je n'ai pas jeté, mais alors ça fait un an que je retourne de la maison, je ne retrouve pas mon classeur. Bref. On va faire avec, on va s'en passer. Donc, écoute, là ça passe toujours aussi bien, hein. Je pense que tu es dans le centre de Libourne. Donc, toujours à l'écoute sur Belvedere de Florac. Ça passe, voilà. Et de reporter, ben, j'en profite. Hein. Parce que demain, c'est la reprise du cours. Et quand je suis au cours en semaine, voilà, ça reste possible. Je ne pas combien il est. J'ai pas de 27 en mobile. Je suis à l'écoute du PMR ou du DMR dans ma voiture. Bon, moi j'écoute un petit peu tout, hein, les radios amateurs, le 27, le 448. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en profite beaucoup. Et tu as bien raison, oui, je suis toujours là sur la rocade de Libourne. Et comme tu dois le deviner, ben, je m'en vais au pro. Là, ben, si hier soir j'étais du côté d'Abzac, avant-hier soir j'étais du côté de Pomerol, dans ces coins-là, ce soir eh ben, je m'en vais là, du côté de Bassins. Après, il faudra que je regarde. mardi soir, je ne sais plus où je vais. Il faut rejoindre mon planning. Ok, je vois que ça prend le repos de ton côté. Donc, après, je ne sais pas si tu es équipé en 27 ou autre chose. Écoute, moi, le 27, c'est juste à la maison. Donc, quand j'entends passer hein, sur le 555 et que j'entends qu'il y a un QSY, ben, je suis. Voilà, si ça passe dans bonnes conditions. Donc sur le poste, si c'est trop léger, que ça passe sur WebMDR, mais en tous les cas, là, c'est ce que j'ai fait. Ça fait toujours plaisir de parler à quelqu'un, je sais ce que c'est, surtout quand on est en mobile. On aime bien prendre le micro, même si c'est pas trop recommandé, mais bon, ça reste notre passion. Affirmatif, je suis trois coups. Ouais, ben, côté 27, je suis équipé aussi bien au QRA qu'en mobile. Hein.
Là, bon, en mobile, c'est le CRT 7009 avec comme antenne une Wilson 5000. Et au QRA, c'est un Yazoo FT 450 AT avec comme antenne une Sigma Mantova 8. Qu'est-ce qu'il me fait lui devant? J'ai une voiture qui s'est rabattue là, juste devant le nez, là devant moi, comme s'il n'avait pas la place de continuer. Ah ouais, je sais pourquoi. Parce qu'il y a un radar un peu plus loin, donc de suite, ça passe de facile 120-130 à pouf 110. Oui, là je suis sur la nationale 89 là en ce moment. Voilà, j'arrive presque à la hauteur de la sortie 7. Tiens, puisqu'on parle de matériel. Tu as maintenant SAV 33, service après-vente, Radio 33, qui est installé là sur Martignas, qui se met à vendre du matériel Sibi. Hein. Voilà. Au départ, c'était que de la réparation. Puis, il s'est mis à faire à vendre de l'occasion. Et là, maintenant, avec la demande et tout qu'il y a, ça, il se met à vendre maintenant du matériel neuf. Alors c'est la marque Président est dérivée apparemment, hein. Là d'après les infos que j'ai eues. Donc j'ai bien l'intention d'aller faire un petit tour, prendre mon appareil photo avec moi de ça, puis voir ce qu'on peut faire avec l'OM, Hachi. Ok, Rémi, ok, bah désolé de remettre une couche. Hachi. Alors oui, il a un site internet. Hein. Alors le site internet, tu le trouveras là, sur le forum La Planète Sibi Francophone, dans la rubrique dans la rubrique boutique à poste et accessoires. Voilà, donc mais le site internet, oui c'est ça, c'est SAV Radio 33. L'adresse. Bah bon, bref, de toute façon, soit via le forum, soit via Google, SAV Radio 33, et puis tu l'as de suite. Hein. Et effectivement, oui, c'est l'ancien réparateur de chez Radio M33, qui s'appelait avant Radio 33, qui, suite à la fermeture du magasin, s'est mis à son compte. Mais bon, c'est bien pratique de savoir que quelqu'un est capable de réparer, hein, dans
un petit tour, faire marcher la boutique, hein, parce qu'on a toujours des petits gadgets à acheter, que ce soit du câble, des connecteurs, ou autre chose, même des radios. Donc en tout cas, moi je suis pour, hein, parce que pas pour du champ de Bordeaux, qui n'avait pris des magasins. Déjà qu'on a perdu la seule revue qui parlait de radio. Hein. Il faut savoir qu'on est quand même un hobby qui représente plusieurs milliers, des dizaines de milliers de pratiquants, et qu'on n'a même pas une seule revue nationale. Voilà. Contrairement à ceux qui pratiquent le VTT, les armes, comme moi, le tir, où il y a 5, 6 ou 7 revues, le camping-car, les voitures, les revues se comptent par dizaines. Oui, affirmatif. Quand il dit le seul magasin sur la Gironde, le seul magasin qui a pignon sur rue, puisque sur Internet, on trouve un autre magasin. J'ai plus le nom en tête, mais il est listé également sur le forum. Mais bon, on a quand même via Internet deux magasins là sur la région. Peut-être trois, je ne sais pas, il faudrait gratter un petit peu pour voir. Mais qu'il y a Pignon-sur-Rue, sur le département 33, oui, je pense que ça doit être le seul. Je l'affirmerai pas, mais il me semble bien que c'est le seul. Autrement, pour ceux qui cherchent du matériel homologué, Hachi, elle n'est pas mal celle-là, pour ceux qui en ont rien à foutre de se faire débrider sur demain, enfin de chercher du matériel qui peut être débridé, ainsi de suite, je ne vais pas y arriver, je suis en train de m'enliser. Qui veulent juste acheter un poste, on va dire, pour une utilisation 4x4 ou un truc comme ça, voilà, là je m'en sors un peu plus. Il y a toujours les centres auto, des trucs comme ça, qui vendent du petit matériel. Voilà, comme par exemple, tu as le centre auto là, du Leclerc Saint-Médard, qui a tout un rayon, tout un demi-rayon de matériel CB, que ce soit au niveau poste comme au niveau antenne. Toi, il y a des trucs comme ça. Bon, là, c'est sûr que tu ne vas pas leur demander à l'achat du poste qu'ils te débrident le poste parce qu'ils ne s'y connaissent rien. Voilà, c'est pour ça que pour ceux qui veulent ça juste en camping-car, on va dire, pour discuter entre eux, ou pour en utilisation 4x4, par exemple, là, effectivement, c'est bien suffisant, quoi. Mais pour du plus, c'est vrai que là, SAV Radio 33 est bienvenu. Hein. Là, au niveau, on peut voir le matériel, avoir le matériel dans les mains, le voir avant l'acheter. Quoi. C'est vrai que ça, c'est du positif. Oui. Alors, j'arrive là à Artigues, près de Bordeaux, là, toujours à la semaine 9. Un câble, c'est toujours bon de savoir qu'il y a un petit magasin pas trop loin.
Oui, voilà. Surtout que bon, ils ont leur représentant là, de chez Président là, qui passe là, de temps en temps et tout ça. Et donc, ouais, pour du petit matériel, ouais, petit poste, antenne mobile, accroche micro, micro d'origine, tous ces trucs-là, ça, c'est vrai que c'est pas mal qu'il y ait ça aussi, quoi. Mais de toute façon, SAV Radio 33, à mon avis, va le faire aussi. S'il se met à faire du poste neuf, forcément, il faut des accessoires avec. Ouais, ok. De toute façon, il verra bien, hein, je pense que... Puisqu'il y aura des visites d'OM qui viendront le solliciter pour des réparations autres, et puis il y aura la demande des OM. Hein. Donc il y a peut-être de retrouver une boutique là, un Radium 33 qui a fermé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, après, je ne suis pas leur comptable. Est-ce que ça marche pas ou quoi? Mais il dirait que bon, les cartons de ville Bordeaux, ils comptent pas mal d'OM, donc pas pourquoi ça ne marcherait pas. Normalement, des boutiques là qui ont pu en survie sur Internet et qui ont l'air de gâteau pour Bordeaux, hein, qui fait partie des villes dans le top 10 au niveau population. Ouais, c'est bien dommage qu'on n'ait pas une boutique qui proposait pas mal de matériel. Quoi. Et toujours bien de voir, hein, avant de tester. Malheureusement, Internet, juste lire des commentaires, caractéristiques, ben, qui commandent leur matériel pour le connaître. Ouais, affirmatif, et puis en plus là c'est vrai que Noël est quelqu'un de très compétent là justement en matière de dépannage de tout ça. Et il a une réputation de longue date hein, déjà là dans le milieu des cas métriques et tout ça, donc là c'est vrai que là on peut être confiant avec lui. Hein. Et puis c'est quelqu'un qui est vachement accueillant et tout ça, donc c'est vrai qu'à chaque fois là je le rencontre là sur le salon radio de Marennes, il est vraiment super cuillerot. Hein, et à chaque fois à ce niveau-là, ça, c'est que des bons retours qu'on voit là sur internet. Il est vraiment super sympa. Et c'est vrai que là, c'est une surprise de voir là qu'il se lance dans la vente de matériel. Quoi. Alors je suis en train de longer la gendarmerie, la autoroutière. Voilà, je vais attraper les quais de Bassas par la côte de la GT. Ok, oui, mais toujours 100% QSL. Hein. Je te reçois même maintenant sur mon poste et sur WebSDR, hein, t'es toujours à 59 plus 10, ça passe bientôt. Et puis oui, pour l'OM là, je dois le connaître, hein, parce que j'ai déjà acheté pas mal de matériel chez eux, que ce soit du coax, j'ai dû acheter un Yazoo à l'époque, oui, deux scanners, un scanner Yazoo je crois, et un autre, je sais plus. Donc forcément, visuellement, on se connaît. Oui, des antennes aussi, j'ai acheté des antennes. Donc, je sais plus. Il y avait toujours au moins deux personnes, voire trois. Donc, forcément, de visu, je le connais. Et puis, c'est avec grand plaisir que j'irai faire un tour dans la boutique. Hein. Je vais rechercher ça sur Internet, même ça dans mes favoris. Et puis, voilà. Mais quand on fait de la radio, il faut toujours avoir une issue de secours en cas de panne ou de problème. C'est toujours bon à prendre. Hein. Voilà, Rémi, mais écoute, moi de mon côté, j'arrête pas de parler. Je voulais faire une petite sieste l'après-midi, mais entre le ProPack et toutes les stations à qui j'ai répondu là, qui passaient, que ce soit en PMR ou sur le 27, bah, tu vois, il est 17h30, et j'ai toujours rien fait, à part ma passion, la radio là, entre autres. Voilà, donc je me dis que pour la sieste, ça va être compliqué. Il fallait que je fasse un petit tour à pied aussi là avec l'appareil photo pour faire des petits tests. Donc en tout cas, mais bon, c'est pas grave, en tout cas moi je prends du plaisir à faire de la radio. Et voilà, ben, je te laisse continuer là. Ça passe super bien de ton côté. Et puis en espérant te recontacter très bientôt. Voilà, donc tu l'auras compris, moi c'est aléatoire. Quand je suis au pro, c'est beaucoup plus compliqué en semaine. Et le week-end, quand je suis seul, ça va. Après, quand il y a toute la famille à la maison, pareil, c'est pas évident. Mais je suis toujours là, équipé en 27 ou 446. En tout cas, Rémi, merci pour ce petit brin de conversation, pour les infos. Et je te souhaite une bonne fin de route là. Et à très bientôt.
Ok, bah, je suis pratiquement, je suis pas très loin du site, avec, allons, on va dire, 25 minutes d'avance à Chi. petite question, là, je fais une vidéo. Si ça te dérange, pas de soucis, c'est poubelle. Hein. C'est comme tu veux. Hein. Je vis pas du tout de ça. C'est dans le but de promouvoir, redynamiser la CBI. Voilà, c'est sans plus. Donc, ça te dérange, poubelle. Ça te dérange pas, ben, bon, ok, il n'y a pas de soucis. Retour avec les bonnes 113 et bonne fin de journée. Et puis, c'est vrai que quand une passion est là, eh ben, elle est là. Hein. Et puis, on en profite au maximum. Et comme toute passion, ça prend énormément de temps et ça coûte des sous. Hachi, retour. Ok Rémi, mais écoute, 100% de vaisselle. Ouais. Non, il n'y a aucun souci de mon côté, puisqu'apparemment c'est un petit peu à la mode, hein. C'est sûr, ça sert à pouvoir, donc que ce soit du 27, du 4.46, c'est pas la première fois que je m'entends sur YouTube, entre autres, hein, pour pas nommer, donc s'il n'y a aucun souci, hein. Justement, ça permet de faire renaître le 27, hein, de dire que le 27 n'est pas mort. Même s'il y a eu la grande mode, enfin il y a toujours la grande mode du 446, mais on ne peut pas comparer. Hein. On ne peut pas comparer ces deux fréquences en tout cas, ou ces deux systèmes. C'est-à-dire que le 27 à l'époque a été très connu en AM, FM, et maintenant 99% des contacts sont en USB, même si c'est en local. Donc voilà, le 27 n'est pas mort. Il n'y a qu'à voir tout ce qui est vendu au niveau appareil. Donc une grande gamme d'antennes et de TX. Voilà, aucun souci pour moi, Rémi. Donc je peux me présenter à 14 Yankee Delta 33 en 27 ou 14 FRS 2505 en 446 opérateur Yannick avec UTH 33 à côté de Bordeaux. Et puis je serai content de m'entendre sur la plateforme sur laquelle tu vas poster cette vidéo. En tout cas, un bon retour. Hein. Donc, apparemment, on est à 35-40 km, si je ne me trompe pas. Et tu passes toujours là sur le WebLDR avec une radio de 5 et un signal de 9+10. Donc, je t'adresse les bandes 73, Rémi. Je te dis à très bientôt. Et puis, j'espère que je vais retrouver bientôt la vidéo sur le site connu. Voilà, 73 à toi. Bonne fin de week-end. À très bientôt. Ok, eh ben, je suis là sur les quais de Bassins, ok pour tout. Voilà, juste à côté du relais routier, c'est quoi, le Limousin, je crois, qui est sur les quais de Bassins. Voilà, je suis juste à côté, là, en train d'attendre, vu l'heure qu'il est. Ok, merci, je vais travailler ça là, cette nuit. Là, je vais m'en occuper ça cette nuit. Je vais essayer de faire en sorte que tu aies ça pour demain ou enfin déjà au minimum pour demain quoi. Voilà. Donc là, en plus de ça, là, j'ai deux ordinateurs avec moi. Hachi. Donc je vais pouvoir travailler là-dessus correctement quoi. Ok. Merci pour ce QSO qui était vraiment bien sympa. Là, on a fait pas mal d'échanges d'infos et tout ça. Là, c'était bien cuiro. Les bonnes soirées à toi. Bonne fin de journée. Ok, merci l'ami. Bon après, il n'y a pas d'urgence hein, pour la vidéo. Je pense que j'arriverai à la retrouver. Hein. Il suffit que même si tu mets mon indicatif, que ce soit FRS ou l'autre, hein, juste après ça sur le site et je la retrouverai. Il n'y a pas d'urgence. Voilà. Je suis abonné à pas mal de chaînes là. Je suis un petit peu tout. Et puis là, ta dernière position, ouais, tu passais 57-58. Toujours très cuiro. Sans aucun problème. Pardon. Voilà. Allez, bonne fin de soirée. À très bientôt, Rémi. Au plaisir. Alors, j'ai pas mis mes lunettes sur les yeux là pour voir de près. Eh oui, quand on est dans la cinquantaine, on devient casse ou presse. Enfin bon, bref, tu m'as compris. Mais je crois que c'est pareil. Hein. Ou alors, attends, ça doit être du 55, je crois, quelque chose comme ça. Ok, merci pour le QSO. Y a pas de problème, je te fais ça, il y a pas de souci. Et profite bien de la propague. Je vais remonter un petit peu, là, vu l'heure qu'il est, voir ce qu'il en est. Et merci, bye, à la prochaine. Ah bah zut! Elle m'a pas attendu la propague! Ah! On va essayer là.
CQ DX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest France, QTH Bassins. CQ DX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest France, QTH Bassins, qui vous propose un QSY sur le 27-445. 27-445, c'est parti pour moi. CQ DX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest France, QTH Bassins. CQ DX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest France, QTH Bassins, qui vous propose un QSY sur le 27-435. Le 27-435, c'est parti pour moi. CQ DX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest France, QTH Bassins. CQ DX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest France, QTH, les quais de Bassins. CQ DX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-est France, QTH, les quais de Bassins, et qui vous propose un QSY sur le 27-495. 27-495, c'est parti pour moi. CQ DX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest France. QTH, les quais de Bassins. Bon, ben, s'il y a du monde derrière en stand-by du côté du web SDR, les bandes sont 13-51 à vous de la part de Dandy 33 et profitez bien de la propague. Numero 1 in legno, ma
Germany, approximately 200 kilometers southwest of the capital city Berlin. Your signal report is 5x3. 5x3, your signal report here. Une station qui a appelé en mobile, mais... c'était trop QRP, j'ai pas entendu d'où. Lima Audio,